Et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Je retiens mes larmes et je dis, oh waouh. Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit, et maintenant tu sors. Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je dois jouer le jeu et donner des moments en coulisses aux caméras. Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Treyer-Veller qui a fait le buzz dans Pékin Express. Puis je me dis, moi je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Treyer-Veller. Et donc j'ajoute, maintenant, petite salope, sors. Je la raccompagne jusqu'à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle. Elle va se montrer gentille et elle adresse la parole à Anthony pour la première fois depuis des semaines. Je pense donc que toute la poussière va retomber et que c'est réglé. Mais ce matin, j'ai vu ses stories. J'ai été extrêmement blessée, choquée, parce qu'elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l'histoire.